Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous apprenons avec un pile tristesse que gagné un tremblement de terre qui tuait un pile monde dans le sud d'Haïti. C'est une situation qui est vraiment triste. On a considéré les situations que Haïti a données. Mais nous avons fait déjà en 2010 une émission. Après tremblement de terre qui était passé en 2010, là, nous avons même écrit un article qui était publié dans Nouvelle Liste sur histoire, tremblement de terre et quelques conseils qui étaient suivis. Mais bagay sa yo, le matin de au moins même jodi a, et font si sourire aux gens parce que pas gen moun kap tande ni conseils sa yo, kap ni prend yo en considération, mais ça te vin sous cœur moi pour me te faire, me fait li particulièrement gen des considérations spirituelles la donne. Nous penser ça capable d'une bénédiction là-dedans dans sens ça ou sur le plan pratique pas quoi haïtien attend des bagages comme ça mais nous te météo et nous a passé mission ça pour qu'attendre lui il était fait en 2010. Chers auditeurs, votre frère le pasteur Daniel Pélissier a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme Foi et Culture. N'a pas considéré tremblement de terre yo qui passait déjà en Haïti et particulièrement dans la ville de Port-au-Prince. Mais avant même nous entrer dans la ville de Port-au-Prince, n'a dit où nous plusieurs fois dans la Bible là et événements ça yo catastrophe ça yo passé. Mais yo même dans la Bible là quelquefois gen dans yo qui ont l'autre portée yo qu'on montrait plutôt le jugement de Dieu sur la terre. Gen nan yo ki terrible. Par exemple, te gen yon tremblement de terre qui te passé en Israël. La Bible a parlé nous de ça. Le prophète Amos le l'a parlé de vision que le te gen de vocation le Seigneur te bali pour la prêcher à Israël. Et bien, li mette comme date 2 ans avant le tremblement de terre. Et événement ça a été tellement célèbre dans la Bible que le prophète Zacharie, au chapitre 14 de son livre, dit nous, parlant, c'est le Seigneur qui a parlé, oui, il dit: Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ou, comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Donc, t'es gagné, événement ça y est tellement important. Ouais, l'écriture ici a mentionné yo, j'en ouais Amos fait ça, j'en ouais Zacharie fait ça. Nous, un tremblement de terre, tout dans la Bible, dans Matthieu, lorsque le Seigneur t'a mouru, sans te nier, acte l'acte, t'es campé, la Bible dit nous dans Matthieu 27, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Et nous, encore, lorsque tu as la résurrection de Christ dans Matthieu 28, verset 2, Bible a dit: Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Maintenant, ça c'est pas qui passait pendant un événement spirituel important à fait, ou bien yon te passé dans le temps de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Ici, dans le Nouveau Testament, la mort de Christ, la résurrection de Christ, accompagnée avec événement ça. Mais il y a un qui concernait les temps de la fin. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons un pile gros événement qui a fait, yo accompagné avec tremblement de terre. Par exemple, dans Apocalypse 6, verset 12, l'Écriture dit: Nous, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et dans Apocalypse 11, verset 13, la Bible parle de grand tremblement de terre qui pralgain à Jérusalem. Elle dit: À 7 heures, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Dans l'Apocalypse 16, nous jouons là un tremblement de terre mondial. Son bagage, l'écriture annoncée. Lila,
c'est dans ces 7e coupe là qui pral baou qui pral ba place à événement ça. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix qui disait sans effet. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc, bagay sa yo, c'est des bagay qui concernent le jugement bon Dieu pour le faire, n'est-ce pas, à la fin des temps. Et li bon, nous, pendant n'a pas avancé pour nous étudier et tremblement de terre en Haïti, pour nous ouvrir Bible là comme ça, considérer et contexte quelquefois nous connait au passé ou bien au pral passé dans la Bible, parce que l'écriture elle annonce son bagaille, li gen pour le fait quand même. Donc c'est pour ça le événement s'est au passé, yo ba lieu à en pile réflexion, gen moun k'ap di c'est jugement, gen moun ki di c'est un phénomène naturel, mais n'a di ou phénomène naturel pas exclu le jugement de Dieu. Parce que l'écriture dit dans le livre du prophète Amos, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc en pile bagaille qui arrive dans une ville, même si il est dans un domaine naturel, nous comprendre que nous devons tirer le son de lit. Et souvent nous besoin à gagner mesure, parce que mon Dieu a pu utiliser des choses naturelles pour attirer attention l'homme sur un bagaille. Et si d'avons le son, les Haïtiens te kapran nan question tremblement de terre sa, genyon karakter spirituel la dani. En fait, sa nou wè, c'est que c'est peut-être le n'a parlé de péché sociaux, c'est yon nan yon non capable mentionner. Haïtiens occupé dans pile bagay, mais dans les siècles passés, yon néglige pote attention yon sur ce fait important que ville nou yon en Haïti, yon bâti dans une situation qui exposait moun yo kap viv la dan. De ce fait, dans les siècles passés, haïtien yo te dou ap bati kay, formé ingénieur, bati kay en prévision d'un événement comme ça. C'est-à-dire en pile bagay n'ap étudié là dans l'histoire d'Haïti qui était bien connu, le ministère de l'éducation nationale dans les siècles passés, n'ka di depuis 19e siècle même, te doué camper pour faire haïtien ou connait côté nous y dans île ça nous pas ka bâtir comme ça le n'a bâti li faut nous considérer danger que t'est passé catastrophe plutôt que t'est passé dans pays a avant nous bâtir un caï le n'a formé un ingénieur un contremaître ou bien un boss maçon même qui t'a dû former pour bâtir caï t'a dû gagner prévision d'un événement comme ça qu'a passé. Parce que yon n'était passé déjà, li ka retourner encore. Nous t'es carré ça un péché d'omission, un péché social grave aux conséquences imprévisibles, parce que haïtien ou vin a bâti et cela durant des années, des décennies. Alors yo fait li sans yo pas considérer fragilité terrain que yo y a. Nous disons le son spirituel dans ça, c'est même avec l'évangile n'a prêché moun tout le temps, nous disons le jugement de Dieu arrive, le Seigneur revient, Dieu pral juger la terre, mais en pile moun pas occupé message ça. Yo pas bal importance, yo pas bal valeur, li pas gen prix pour yo et puis c'est ça Bible a dit la pral surprendre les hommes de façon telle que yo pas ka échapper. Et c'est ce malheur qui tombe sous pays nous, nous pas tenu compte des leçons de l'histoire d'Haïti, nous négligeons, il y a pas de valeur pour nous, nous préparer toute l'autre bagaille, mais bagaille qui est essentiel ça, n'est pas fait. C'est ça que fait le nombre de victimes, de monde qui a souffri, ampleur catastrophe là, li pas qu'à mesurer. Et lui même gagne une menace qui grave la dani, nous obligés à implorer la miséricorde de Dieu pour faire bagala limité, parce que bon Dieu te ba nou moyen, li ba nou intelligence,
li ba nou bon sens pou nou te employe se vertu ke le Seigneur ba a tout moun lò konnen gon danje pou pa rentre nan danje a pou prepare pou li pa de gen sa et de ce fait n'est-ce pas catastrophe la vini gen dimension sa gen pil bagay moun pa ka evite moun mouri pendant tremblement de terre ou pa ka evite sa mais ou ka bati des maisons ou ka pren des mesures pour faire les bagages la vini ou limiter des gars ou ka pa oublier moun ap moun blessé grave opération ap fait et c'est calmement moun ap pren peut-être fait mal motrine bagages simple c'est bagages ça yo ap utiliser pour bay moun parce que pas de gagner préparation pour un malheur comme ça et pourtant des spécialistes t'ai annoncé que yo pral vini. Des experts te di haïtien yo pral gagner un grand tremblement de terre. Mais qui moun ki te prête attention à ça? Communauté haïtienne nan ou bien les haïtiens pat occupé bagay sa yo. Bagay la c'est une belle émission, yo tan deli, mais nan l'esprit yo son bagay ki loin li pa ka vini, li poko ap vini, la gen tan toujours pou vini, n'a nou pa gen problème sa yo nou wè konye a. Mais venons font y retourner pour nous comprendre ça bien. Le on va y qu'on s'arrive, libandé pour nous réfléchir, pour nous prendre leçon dans l'histoire d'Haïti. Et leçon ça yo importante pour haïtien yo, li importante pour tout haïtien parce que quel que soit côté, les haïtien ou intéressé à Haïti. Et ou toujours un projet pour Haïti, gen moun ki nan pays étranger, même le ou pas en Haïti, ou gen projet pour Haïti et haïtien yo ta renmen pays yo. Pas tomber dans tout ça yo. Mais nous considérer l'histoire d'Haïti concernant ces deux choses pour nous voir qui gens n'est-ce pas le ta bon pour haïtien avancer. Nous comprendre que tremblement de terre qui passé a c'est un appel pour nous pas rester dans même position pour nous changer location villa parce qu'on bagarre aussi grave qui passé que pas son troisième fois. Li pa ta dwe passe yon quatrième fois. Bien que le pas facile pour bâtir une ville, yon pa ka bâtir une ville comme ça tout d'un coup pour di m'bral bâtir l'autre ville en côté, son processus que lié, li doit commencer, doit gon projet pour lui, doit gon moun qui doit penser avec lui, prendre mesure ça et puis commencer faire un bagaille. La coûte peu au commencement, mais au fur et à mesure, gen attraction créée pour l'autre endroit. Qui semblait avec ville. Nous voyons ça dans la Bible, du reste. Nous voyons bagay sa yo dans la Bible. Nous voyons une ville, tant que la ville de Jéricho. Le Seigneur t'a détruit la ville de Jéricho. Il n'y a pas de vle que moun même rebâti ville là. Ville sa, son ville, le Seigneur pas d'accord pour moun te rebâti. Li. Et Josué, le fini, n'est-ce pas? C'est lui-même le Seigneur qui a utilisé le Sahar. Nous songeons qui j'ai les murailles de Jéricho qui sont tombées. Eh bien, l'Écriture dit nous, le Seigneur n'a pas voulu moun prendre la ville Jéricho pour rebâtir encore. Et Josué te dit, moun qui fait ça, qui rebâtit la ville de Jéricho, l'elle pose fondement ville là, l'a perdu premier petit lit. L'elle pose pas de ville là, l'a deuxième petit lit. Pipi. Jeune fils Lia a mouru. C'était un avertissement contre quiconque oserait rebâtir la ville de Jéricho. Mais au temps d'Akab, un homme du nom de Yiel de Bethel prend disposition pour rebâtir la ville de Jéricho. L'Écriture dit nous, il jetait les fondements, n'est-ce pas, de la ville de Jéricho. Premier petit Lia Abiram mourit. Les poser les portes de la ville de Jéricho parce que ville ça longtemps c'est avec murailles au fait de grandes murailles forte prend porte et bien Ségub mourit selon la parole de l'Éternel que l'Éternel t'a dit par Josué fils de Nun donc ou pas de faire li ou pas de rebâtir encore nous pas dire que c'est même bagarre pour Haïti le Seigneur ba mon message mais gon bagarre qui rivé l'on va regarder l'histoire d'Haïti m'a demandé moi combien fois ville Port-au-Prince pral krasé et combien moun ki doit mourir à dani avant haïtien yo décider pour yo chercher l'autre côté pour yo bâtir ville yo parce que même le événement ça qu'on séparé par 50 ans, 30 ans, 20 ans de différence ou même 10 ans, li pas vraiment bon pour pas prendre des mesures pour éviter répétition yon catastrophe ki kon sa. Vinon considérer
qui s'est arrivé pour la ville de Port-au-Prince et pour la ville du Cap et en fait pour quelques autres villes d'Haïti. Premièrement, nous t'ai dit déjà en 1751, t'ai gagné, n'est-ce pas, un tremblement de terre qui t'est passé, qui t'est écrasé la ville de Port-au-Prince. Les tremblements de terre l'a passé, ville l'a écrasé. Et haïtien yo, on pas dit haïtien, c'était la colonie française à ce moment-là, les colons de l'époque, les esclaves noirs qui étaient là, eh bien colons yo surtout c'est eux qui étaient la main forte, yo même yo prend disposition Port-au-Prince yo prend disposition pour rebâtir la ville de Port-au-Prince. N'a pleuvé, nous pas carré tomber, faut nous rebâtir encore, faut nous camper encore, faut nous retirer problème ça, mais n'est-ce pas sorti la dernière, mais n'a dit où le bagage c'est au fait, même jour où ça fait en 2010 là, en 1751 c'est comme ça le fait, moun rete en battante, et pendant près de 2 mois terre a tremblé, moun rete en battante, moun souffri, mais ça qui intéresse nous aujourd'hui, hein, nous t'en aimer et considérer avec ou avec un peu plus de détails ça qui t'est passé en 1770 lorsque tremblement de terre là c'est passé dans Port-au-Prince. Nous avons là le récit, n'est-ce pas, que Placide Justin qui était pour nous, c'est un historien du 19e siècle, Libanou y ont compte-rendu de la situation d'alors en 1770 lorsque tremblement de terre là t'est passé. Et nous t'aimer et très chers auditeurs et très chers amis, considérez avec vous problème qui t'est gagné en Haïti lorsqu'en 1770, tremblement de terre ça a été touché Haïti. Premier bagage à considérer, lorsque nous arrivons dans la période ça, 1770, où gardez pour où tremblement de terre là a passé, frappé Haïti, n'a pas dit où, yon bagage qu'on considérer, living fait un peu moins de 20 ans après premier qui écrasé Port-au-Prince en fait. Ça veut dire que ville là, je nous dis là, écrasé deux fois. Et le tremblement de terre là après le fait le ça était dans nuit. Mon connaît la bonté de Dieu toujours là, quel que soit problème dans gain, bonté le Seigneur est là. Jou soit ça, mon Dieu t'est voulu sauver quelque monde. N'a faut comprendre ça. Le monde a mourir dans événement ça yo. Monde qui pour mourir, a mourir, monde le arrivé a. A mourir moun le yo pou ko rive a pap mouri. Li fait chaud, c'était dans nuit. En pile moun, très chers auditeurs, a promené dans la rue parce que chaleur insupportable. Chaleur a fait un monsieur qui gagne concubine ni avec lui que yorele Ursule, monsieur sa yorele Sabès, campé devant Portio. Yo chita devant Portio, y a prend vent mais fait chaud malgré de yo, al fait chaud toujours. Tout le monde, pile moun sorti sous galerie yo. C'était dans nuit. Et puis tout d'un coup, on était au mois de juin 1770, eh bien, l'île entière de Saint-Domingue était bouleversée par un tremblement de terre, tel qu'on pas jamais joué un exemple dans les Antilles. Et pourtant, l'on a considéré Antilles qu'on a un tremblement de terre, mais jour ça a tremblement de terre, ça a jamais passé. C'est pas un bagage où qu'on ouait chaque jour. Il passe avec une force. Et force la crase caillou. Monsieur, ça avec madame, nous dit qu'il y a une maîtresse qui campait ensemble devant et caillou. Les tremblements de terre, là, comment c'est passé? Il a volé dans la rue, ça baisse avec Ursule. Gagnon nourrit Timounan. Un petit bébé qui était en dedans, il a oublié, il a volé dehors parce que le tremblement de terre a passé. Petit bébé qui était en dedans, nourrissi courir entrer pour prendre. À peine il saute, si courir entrer, courir sauter, très chers auditeurs, quand il a sauté tombé, mais petit bébé a été en dehors. Alors là, mon doit vivre, bon Dieu décider pour mon ça vivre jour ça, petit bébé a sauté, quand il a crasé mais pas gagné, mon qui mourir en dedans. À cause de chaleur, deux moun yo te rentan, maman, papa, ti bébé a te dehors. Malgré ça, nourris la entre, couris sot sa avec li, et puis mettez le dehors. Et ti bébé sa, c'était Alexandre Pétion qui pral vin président d'Haïti. Donc, jou sa,
pétition pas mourir, c'est en avril 1770 c'était fait. Mois de juin, il va mourir avec tremblement de terre là, mais l'échapper et plus tard il va devenir président d'Haïti. Alors, lorsque n'est-ce pas tremblement de terre là passé, toute récolte mon yoté gagné espoir prendre perdu. Tout côté passé, édifice public, privé, pas gagné qui était campé. C'est le témoignage de l'histoire, je nous joins ni dans mes Justin Placide. Il dit où pas gon presque en aucun lieu les édifices publics ou privés ne restèrent debout. Le Port-au-Prince se ressentit surtout de cette affreuse calamité. C'est surtout la ville de Port-au-Prince, parce que tout côté au frappé, oui, très chers auditeurs, mais Port-au-Prince lui-même, c'est lui-même qui prend plus choc, c'est lui-même qui crasé. Alors, peuple là, chef yo, yo tête en bas, poussière souffre, a jeté des cris de désespoir. Lorsque la journée arrivait, moun yo vin gade, yo wè ki kalite malheur qui arrivait dans le pays. Ou au 18e siècle, dans la période ça, la communication n'est pas en pile, donc il y a des gars qui fait dans l'autre côté, nous pas en pile de détails sur yo, mais au moins nous connaissons ville pour au prince écrasé jou ça. Yo rassemblé yo sur la place du gouvernement, gen prisonnier même. Yo te konri les rebelles autrefois, eh bien yo te lagué a moun yo pren encore mette yo en prison. Esclaves yo surtout yo tellement tremblé, a tremblé devant phénomène nan. Yo vin mette à genoux nan pied mette yo. Alors yo di ou mette yo pas de gen tellement affection pour yo, malgré yo même yo te montré fidélité avec mette yo. Et le ça semblait que Jean Bagalaté ya bagalaté grave, parce que pas de gain manger et plus passé révolte esclave, passé l'autre problème moun te peur, parce que pas de pas gain façon pour moun de manger pour manger. Mais pas oublier en ce temps-là te gain conflit entre l'Angleterre et la France. Haïti était une colonie française, la Jamaïque était en bas domination anglaise. Un homme riche de la ville dit là après le prend bateau courir aller à la Jamaïque pour le porter pour joindre secours, parce que vous pas manger pour manger. Mais on connaît capitaine yo qui était là, qui était dans navire le ça, yo pas d'accord, parce que yo pas avlé pour la France, en colonie française, citoyen n'est-ce pas qui en bas l'autorité de la France vienne relation ou vienne contact avec anglais yo. Parce que pour eux-mêmes, son bagage qui pas bon pour la France. Donc c'est pour montrer dans quel état situation il est. Moun ap mouri, pas gen manger pour manger, mais rivalité ça yo campé. Mais heureusement, malgré bateau a été bien secoué dans la mer, lorsque n'est-ce pas tremblement de terre a passé, il y a pas gen bagage qui grave, moun yo pas gen problème le ça. Et pendant que y a fait travail pour faire fou yo retourner, pour yo wè si fou yo ka fonctionner encore, eh bien capitaine yo tourner boulanger, il a fait manger pour moun, il a fait pain pour moun yo. Donc c'est comme ça bah la té passé en 1770. Et plus tard yo vinn prend fou yo, yo retourner avec fou yo fait pain encore, mais là a fait pain yo pour yo capitaine yo monter pri farine. Yo obligé faire menace avec yo pour descendre pri farine. Et pendant tout mois ça, même ça ouais qu'on y a en 2010, en 1770, tout le monde s'en battante parce que la terre a pas fini de trembler pour le rester, li continuer à trembler. L'a trembler. Alors pas oublier 1770 ça nous dit ça, c'est deuxième fois ville Port-au-Prince crasé. Alors, le crasé comme ça et moun yo a essayé n'est-ce pas joine pour retourner à la vie, mais on compte ça pas le causer plus moun mourir, parce que autrefois pas de gain tout moun sa yo dans ville Port-au-Prince et pas de gain toute qualité bagay ça concentration urbaine nous vinn gain en 2010. Et bien ça qui passé très chers amis et très chers auditeurs vinn gagner grand goût moun pa ka joine manger pour yo manger. Et ça, mon espagnol y a fait, parce que dans la partie espagnole, t'as des soldats espagnols qui étaient là. Ça y a fait, y a vu une gagner un problème côté bête y a malade, mourir.
les bêtes la malade, l'ol mouri, puisque pas de manger, moun besoin manger pour manger, ça yon fait, yon tout salé vient nan. Autrefois, yon les sa tasso, préparé yon, mais moun yon pas réalisé que c'est bête malade, bête mouri, moun yon pren pour pote ba yon. Yon besoin manger, en pile moun commence manger bagay sa a, eh bien, l'histoire dit nous que c'est pas deux moun, plus moun te mouri, avec une épidémie de charbon qui te tombé sous pays a. Sur la ville de Port-au-Prince parce que yo tap manje ta sauce a yo et à cause de vieux bête malade les soldats espagnols yo pran bête yo et puis yo voué manger a yo voué vienne ta sauce a yo vienne salé sa yo pour peuple là pour yo ka manger et bien ça t'est fait en pile moun mouri et d'ailleurs en moins de 6 semaines près de 15 000 colons blancs ou noirs t'est péri avec maladie ça qui est tombé là. Donc c'était un bail terrible, charbon entré dans pays là, moun a mouri à cause de. Alors c'est pour elle un tremblement de terre comme ça, gain d'autres conséquences selon Justin Placide et ça t'était nous t'était à peu près 15 000 colons blancs qui mouri. Et alors, yo obligé vienne prendre mesure pour yo pas quitter moun a manger bagaille ça yo. Et l'autre bagaille vite fait pour te barrer quantité et manger ça va cap entrer dans pays là dans ville Port-au-Prince. Donc ça pour dire ça nous dit là c'est une deuxième expérience la ville de Port-au-Prince t'est fait avec tremblement de terre de 1770 là. Mais n'a comprendre que conséquences étaient graves et que gon bagaille que nous devons comprendre jodi a est-ce que n'a pas rété dans situation comme ça pour qu'on quatrième encore parce que Haïti tombe non point côté la difficile pour relever ou idiot la difficile pour rebâtir villa et l'on rebâti li qui garantit sou pral gagner le tremblement de terre passe encore pas gagner même qualité de gaz a yo grand pile bagay yo fait yo connier pendant émotion tout monde ouais faut nous bâtir avec précaution faut bâtir selon les normes parasismiques faut bâtir avec mais est-ce qu'il y a des moyens économiques pour bâtir selon ces normes parasismiques? Est-ce qu'il y a des moyens et même discipline dans la société pour les bâtir pour respecter ces normes? Parce que les gens ont besoin de vivre, ils ont besoin de retourner à venir reprendre l'activité. Et vous demandez où, très chers auditeurs, est-ce que le sage pour rebâtir sur un placement visa qui crase une troisième fois déjà? Dieu permette que haïtiens vivent dans coin de terre ça à côté oyea. Pour qui ça nous pas choisir l'autre lieu pour bâtir palais national, bâtir grand bureau public yo, faire gros route pour y aller, créer un mouvement, bâtir appartement côté moun a en vivini et puis mettre toute bagaille commerciale et au fur et à mesure moun a déplacé quitter zone ça pour aller dans nouvelle ville y a bâti a. Il pas déplacement pas fait tout d'un coup mais intérêt économique l'autre institution cap créer l'autre activité cap créer a fait moun quitter zone et surtout tremblement de terre cap passer a encourager moun déplacer nous comprenons très bien parce que expert yo déclaré un grand tremblement de terre cap venir encore sur Haïti mais yo comprennent que dans les jours qui viennent nous pas forcément exposés avec yon qui aussi élevé que ça qui s'est passé en janvier dernier, mais il y a possibilité pour gagner qui dans 5 points, 4 points, 5 points et plus pour y trembler comme ça. Et avec cette inquiétude, en pile vie moun, en pile santé moun pour aller en danger parce que moun a vivre sous pression 1h du matin, 4h du matin, 2h du matin, de temps en temps comme ça, et il n'y a pas qu'on est qui le a prêté, il y a pas les abvini et il n'y a pas qu'on est vraiment. Parce qu'on n'a pas vraiment prédit tremblement de terre, ou qu'on a prédit pourcentage de danger, de risque, mais on n'a pas prédit vraiment. Donc, on grand matin comme ça, il y a un point 7 qui doit retourner encore, ou qu'on doit finir prendre 5 ans, ville a commencé à camper, le monde a commencé à briller tremblement de terre là, et puis tout d'un coup, même problème là, retourner encore. Donc, l'homme prudent voit le mal et se cache. Il faut une solution à ce problème. Non seulement pour nous appliquer des codes, mais faut nous changer place là. Choisons l'autre, de sorte que au malheur qui t'est tombé trois fois sur une ville, pas retourner en quatrième fois sous lui encore. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pelissier,
dans son émission du jour. Merci d'avoir été les nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous apprenons avec un pile tristesse que gagnait yon tremblement de terre qui tuait un pile monde dans le sud d'Haïti. C'est une situation qui est vraiment triste. Il en a considéré les situations que Haïti a donné. Mais nous avons fait déjà en 2010 une émission après tremblement de terre qui était passé en 2010. Là, nous avons même écrit un article qui était publié dans la nouvelle liste sur histoire, tremblement de terre et quelques conseils qui étaient suivis. Mais bagay sa yo, le matin de yo, moi même jodi a, font si souri yon jan, parce que pa gen moun kap tande ni conseil sa yo, kap ni pran yo en considération, mais sa te vin sou cœur moi pou mte fel, mfe li, particulièrement gen des considérations spirituelles la dan, nous pense sa capable gen bénédiction la dan nan sans sa. Ou sur le plan pratique, mba kwe haïtien ap tande bagay kon sa. Mais nous te mette yo et nous a passé mission ça pour qu'à attendre li était faite en 2010. En chers auditeurs, votre frère le pasteur Daniel Pélissier a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme Foi et culture. N'a pas considéré tremblement de terre yo qui passait déjà en Haïti et particulièrement dans la ville de Port-au-Prince. Et, mais avant même nous entrer dans la ville de Port-au-Prince, n'a dit yo nous avons plusieurs fois dans la Bible là événement ça yo catastrophe ça yo passé mais yo même dans la Bible là quelques fois gagnan yo qui ont l'autre portée yo qu'on montrer plutôt le jugement de Dieu sur la terre gagnan yo qui terrible par exemple tu as un tremblement de terre qui t'est passé en Israël la Bible a parlé nous de ça le prophète Amos le l'a parlé de vision que le t'ai gagné de vocation le Seigneur t'est bali pour la prêcher à Israël et bien il mettait comme date 2 ans avant le tremblement de terre et événement ça était tellement célèbre dans la Bible que le prophète Zacharie au chapitre 14 de son livre dit nous parlant c'est le Seigneur qui a parlé oui il dit vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ou comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Donc, tu gagnes événement ça y est tellement important. Ouais, l'écriture ici a mentionné yo, Jean ouais Amos fait ça, Jean ouais Zacharie fait ça. Nous un tremblement de terre tout dans Bible là, dans Matthieu, lorsque le Seigneur t'a mouri, sans te nier acte l'acte, t'es campé, la Bible dit nous dans Matthieu 27 verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Et nous encore lorsque tu as la résurrection de Christ dans Matthieu 28 verset 2, Bible a dit et voici il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Maintenant, ça c'est pas qui passé pendant un événement spirituel important à fait ou bien yon te passé non tant de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, ici dans le Nouveau Testament, la mort de Christ, la résurrection de Christ accompagné avec événement ça yo. Mais gagne qui concerné les temps de la fin et dans le livre de l'Apocalypse, nous voit en pile gros événement qu'a fait yo accompagné avec tremblement de terre. Par exemple, dans Apocalypse 6, verset 12, l'Écriture dit « Non, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Et dans Apocalypse 11, verset 13, la Bible parle de grand tremblement de terre qui pralgain à Jérusalem, le dit « À 7 heures, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Dans Apocalypse 16,
nous joignons là un tremblement de terre mondial. Son bagage l'écriture annoncée. Li là, li c'est dans ce septième coupe là qui pral baou qui pral bay place à événement ça. Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix qui disait sans effet. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc, bagay sa yo, c'est des bagay qui concernent jugement, bon Dieu pour le faire, n'est-ce pas, à la fin des temps. Et li bon, nous, pendant n'a pas avancé pour nous étudier et tremblement de terre en Haïti, pour nous ouvrir Bible comme ça, considérer le contexte quelquefois nous on au passé ou bien au pral passé dans la Bible, parce que l'écriture elle annonce son bagage, li gen pour le fait quand même. Donc c'est pour ça le événement s'est passé, yo ba lieu à un pile réflexion, gen moun k'ap di c'est jugement, gen moun ki di c'est un phénomène naturel, mais n'ap di ou phénomène naturel pas exclu le jugement de Dieu. Parce que l'écriture dit dans le livre du prophète Amos, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc un pile bagaille qui arrive dans une ville, même si il est dans un domaine naturel, nous comprenons que nous devons tirer le son de lui. Et souvent nous besoin à gagner mesure, parce que mon Dieu a pu utiliser des choses naturelles pour attirer attention l'homme sur un bagaille. Et si nous avons le son, les Haïtiens te capran nan question tremblement de terre ça gagnon le caractère spirituel là dani. En fait ça nous est c'est que c'est peut-être on a parlé de péchés sociaux, c'est yon nan yon non capable mentionner. Haïtiens occupés dans pile bagay, mais dans les siècles passés yon négligé porter attention yon sur ce fait important que ville nous yon en Haïti yon bâti dans une situation qui exposait moun yo kap vive la dan. De ce fait, dans les siècles passés, haïtien yo te dou ap bati kay, formé ingénieur, bati kay en prévision d'un événement comme ça. C'est-à-dire en pile bagay n'ap étudié là dans l'histoire d'Haïti qui était bien connu, le ministère de l'éducation nationale dans les siècles passés, nous ka di depuis 19e siècle même, te dou camper pour faire haïtien ou connaît côté nous yé dans île ça nous pas ka bâtir comme ça l'un a bâti li faut nous considérer danger que t'es passé catastrophe plutôt que t'es passé dans pays a avant nous bâtir un caï l'un a formé un ingénieur un contremaître ou bien un boss maçon même qui t'a dû former pour bâtir caï t'a dû gagner prévision d'un événement comme ça qu'a passé. Parce que yon te passé déjà, li ka retourner encore. Nous te karele ça un péché d'omission, un péché social, grave, aux conséquences imprévisibles, parce que haïtien ou vin a bâti, et cela durant des années, des décennies. Alors, yon fait li, sans yon pas considérer fragilité terrain que y a. Nous disons le son spirituel dans ça, c'est même avec l'évangile n'a prêché moun tout le temps, nous disons le jugement de Dieu arrive, le Seigneur revient, Dieu va juger la terre, mais en pile moun pas occupé message ça. Yo pas bal importance, yo pas bal valeur, li pas gen prix pour yo et puis c'est ça Bible a dit a, la pral surprend les hommes de façon telle que yo pas ka échapper. Et c'est ce malheur qui tombe sous pays nous. Nous pas tenu compte des leçons de l'histoire d'Haïti, nous négligeons, il y a pas gain valeur pour nous, nous préparer toute notre bagaille, mais bagaille qui est essentiel ça, il pas fait. C'est ça que fait le nombre de victimes, de monde qui a souffri, ampleur catastrophe là, il pas qu'à mesurer. Et lui même gain menace qui grave la dani, nous obligé à implorer la miséricorde de Dieu pour faire bagaille à limiter, parce que bon Dieu t'es ba nous moyen
li ba nou intelligence, li ba nou bon sens pour nous te employer ces vertus que le Seigneur ba à tout moun lorsqu'on est en danger, pour pas entrer dans danger a, pour préparer pour lui. Pas de ça, et de ce fait, n'est-ce pas catastrophe la vie ni gen dimension ça. Grand pile bagay moun pa ka éviter. Moun mouri pendant tremblement de terre ou pa ka éviter ça. Mais ou ka bâti des maisons, ou ka prend des mesures pour faire les bagay la vie ni ou limiter des gars. Ou ka bge, pa blye moun ap moun blessé grave, opération ap fait et c'est calmement moun ap prend peut-être fait mal, motrine, bagay simple, c'est bagay sa yo ap utiliser pour bay moun parce que pa de gagner préparation pour un malheur comme ça. Et pourtant des spécialistes te annoncé que yo pral vini, des experts te di haïtien yo pral gagner un grand tremblement de terre. Mais qui moun ki te prête attention à ça? Communauté haïtienne nan, ou bien les haïtiens pat occupé bagay sa yo. Bagay la c'est une belle émission, yo tan deli, mais nan l'esprit yo son bagay ki loin li pa ka vini, li poko ap vini, la gen tan toujours pou vini, n'ap nou pa gen problème sa yo nou wè konye a. Mais vini nou fon ti retourner pour nous comprendre ça bien. Lè on bagay kon sa rive, li mande pour nous réfléchir, pour nous prendre leçon dans l'histoire d'Haïti. Et leçon sa yo yo importante pour haïtien yo, li important pour tout haïtien, parce que quel que soit koutou yé, los haïtien ou intéressé Haïti ou toujours un projet pour Haïti, ou gen moun ki nan pays étranger, même le ou pas en Haïti ou gen projet pour Haïti, et haïtien yo ta renmen pays yo pas tomber dans tout ça yo. Mais nous considérer l'histoire d'Haïti concernant ces deux choses pour nous wè ki jan n'est-ce pas le temps bon pour haïtien avancer. Nous comprenons que tremblement de terre qui passe à c'est un appel pour nous pas rester dans même position, pour nous changer location ville là, parce qu'on bagarre aussi grave qui passe que pas son troisième fois, les patates doivent passer une quatrième fois. Bien que le pas facile pour bâtir une ville, il y a pas qu'à bâtir une ville comme ça tout d'un coup pour dire me bral bâtir l'autre ville en côté, c'est un processus que lié. Li doit commencer, doit gon projet pour lui, doit gon moun qui doit penser avec lui, prendre mesure ça et puis commencer faire un bagaille. L'a coûté peu au commencement, mais au fur et à mesure, gain attraction créée pour l'autre endroit qui semblait avec ville. Nous voyons ça dans la Bible du reste. Nous voyons bagaille ça yon dans la Bible là. Nous voyons gain ville tant que la ville de Jéricho, le Seigneur t'a détruit la ville de Jéricho. Il pas de vle que moun même rebâti ville là. Ville ça son ville, le Seigneur pas d'accord pour moun te rebâti li. Et Josué le fini, n'est-ce pas? C'est lui même le Seigneur t'a utilisé le ça, nous songe qui j'ai les murailles de Jéricho t'est tombé. Eh bien l'écriture dit nous, le Seigneur pas de vle moun prend ville Jéricho pour rebâti encore. Et Josué t'a dit moun qui fait ça, qui rebâti la ville de Jéricho, l'elle poser fondement villa, la perdu premier petit lit. L'elle poser pot villa, la deuxième petit lit. Pipi jeune fils li a mouri. C'était un avertissement contre quiconque oserait rebâtir la ville de Jéricho. Mais au temps d'Akab, un homme du nom de Yiel de Bethel prend disposition pour rebâtir la ville de Jéricho. L'écriture dit nous, les jeter les fondements, n'est-ce pas, de la ville de Jéricho, premier petit li Abiram mouri. Les poser les portes de la ville de Jéricho, parce que ville ça longtemps c'est avec murailles au fait, de grandes murailles, forte prend porte, eh bien Ségub mouri, selon la parole de l'Éternel que l'Éternel t'a dit par Josué fils de Nun. Donc ou pas doit faire li ou pas de rebâtir encore. Nous pas dire que c'est même bagarre pour Haïti, le Seigneur ba mon message, mais gon bagarre qui rivé. L'on a regardé l'histoire d'Haïti, m'a demandé moi combien fois ville Port-au-Prince pral craser et combien moun qui doit mourir à dani avant haïtien yo décider pour yo chercher l'autre côté pour yo bâtir ville yo, parce que même le événement ça yo qu'on séparé par 50 ans, 30 ans, 20 ans de différence ou même 10 ans, li pas vraiment bon pour pas prendre des mesures pour éviter
répétition yon catastrophe qui comme ça. Vinon considérer qui s'est arrivé pour la ville de Port-au-Prince et pour la ville du Cap et en fait pour quelques autres villes d'Haïti. Premièrement, nous te dit déjà en 1751, tu gagné n'est-ce pas un tremblement de terre qui t'est passé qui t'est écrasé la ville de Port-au-Prince. Les tremblements de terre l'a passé, ville l'a écrasé. Et haïtien yo, on pas dit haïtien, c'était la colonie française à ce moment-là, les colons de l'époque, les esclaves noirs qui étaient là, eh bien colons yo surtout c'est eux qui étaient la main forte, yo même yo prend disposition Port-au-Prince yo prend disposition pour rebâtir la ville de Port-au-Prince. N'a pleuvé, nous pas carré de tomber, faut nous rebâtir encore, faut nous camper encore, faut nous retirer problème ça, mais n'est-ce pas sorti la dernière, mais n'a pas dit où le bagage s'est fait. Même jour où ça fait en 2010 là, en 1751, c'est qu'on ça le fait. Moun rete en battante et pendant près de 2 mois, terre a tremblé. Moun rete en battante, moun souffri. Et mais ça qui intéresse nous aujourd'hui, nous t'en aimer et considérer avec ou avec un peu plus de détails. Ça qui t'est passé en 1770 lorsque tremblement de terre là t'est passé dans Port-au-Prince. Nous gen là le récit n'est-ce pas que Placide Justin qui était pour nous, c'est un historien du 19e siècle, li ba nou yon compte-rendu de la situation d'alors en 1770 lorsque tremblement de terre là t'est passé. Et nous t'a remé et très chers auditeurs et très chers amis, considérez avec vous problème qui t'est gagné en Haïti lorsqu'en 1770 tremblement de terre ça a t'est touché Haïti. Premier bagage à considérer lorsque nous arrivons dans période ça 1770 ou gardez pour ouais tremblement de terre là al passé frappé Haïti, n'a dit où yon bagage qu'on considérer living fait un peu moins de 20 ans après premier qui t'écrasé Port-au-Prince en fait. Ça veut dire que ville là, je nous dis là, crasé deux fois. Et le tremblement de terre là, t'as pas le fait le ça, était la nuit. Moi connais la bonté de Dieu toujours là, quel que soit problème dans gain, hein, bonté le Seigneur est là. Jour soit ça, mon Dieu t'est venu sauver quelque monde. N'a faut comprendre ça. Le moun ap mouri nan événement sa yo, moun ki pou mouri ap mouri, moun le yo rive a ap mouri, moun le yo poko rive a pap mouri. Li fè chaud, c'était la nuit, en pile moun, très chers auditeurs, ap promené dans la rue parce que chaleur insupportable. Chaleur a fait un monsieur qui gagne concubine avec lui que yo rele Ursule, monsieur sa yo rele Sabès, campé devant Portio, yo chita devant Portio, y a prend vent, mais fait chaud malgré de yo, elle fait chaud toujours. Tout moun en pile moun sorti sous galerie yo. C'était la nuit et puis tout d'un coup, on était au mois de juin 1770, eh bien l'île entière de Saint-Domingue était bouleversée par un tremblement de terre tel qu'on pas de jamais joint exemple dans les Antilles. Et pourtant l'on a considéré Antillo qu'on a un tremblement de terre, mais jou ça, tremblement de terre ça, j'en passe ya. C'est pas un bagage où qu'on ouait chaque jour. Il passe avec une force et force la crase kayo. Monsieur ça avec madame ni nous dit qui gagne maîtresse qui campé ensemble devant et kayo, les tremblements de terre là comment c'est passé? Yo volé dans la rue, ça baisse avec Ursule. Gagnon nourrice timounan on ti bébé au kit en dedans, il oublié voler dehors parce que le tremblement de terre a passé, ti bébé au kit en dedans a nourrice ti courir entrer pour prendre. À peine li sorti courir entrer, courir sorti, très chers auditeurs, car elle a saut tombé mais ti bébé a gétan dehors. Alors l'oré moun nan doit vivre, bon Dieu décider pour moun ça vivre jou ça, ti bébé a sorti car elle a crasé. Mais pas gagné moun ki mouri en donne à cause de chaleur a deux moun yo te rentan maman papa ti bébé a te dehors malgré ça nourrice la entrée courir saute avec lui et puis mettel dehors
et petit bébé ça c'était Alexandre Pétion qui pral vin président d'Haïti. Donc jou ça Pétion pas mourir, c'est en avril 1770 il était fait. Mois de juin il pral mourir avec tremblement de terre là, mais l'échapper et plus tard il pral vin président d'Haïti. Alors lorsque n'est-ce pas tremblement de terre l'a passé, toute récolte mon yo te gen espoir prend perdu. Tout koto passé, édifice public, privé, pas gagné qui rete campé. C'est le témoignage de l'histoire, je nous joigne dans mes Justin Placide. Il dit où pas gon presque en aucun lieu les édifices publics ou privés ne restèrent debout. Le Port-au-Prince se ressentit surtout de cette affreuse calamité. C'est surtout la ville de Port-au-Prince, parce que tout côté au frappé, oui, très chers auditeurs, mais Port-au-Prince lui-même, c'est lui-même qui prend plus choc, c'est lui-même qui crasé. Alors, peuple là, chef yo tête en bas, poussière, souffle, il a jeté des cris de désespoir. Lorsque la journée arrivée, moun yo vin gade, yo wè ki kalite malheur qui arrivé dans le pays. Ou au 18e siècle, dans la période ça la communication pas en pile, donc gen des gars qui fait dans l'autre côté non pas en pile détail sou yo, mais au moins nous connaît ville Port-au-Prince écrasé jou ça. Yo rassemblé yo sur la place du gouvernement, gen prisonnier même yo te konn les rebelles autrefois, eh bien yo te lagué a moun yo prend comme mettez yo en prison, esclaves yo surtout yo tellement tremblé, a tremblé devant phénomène yo vin mettre à genoux non pied mettre yo. Alors yo di ou mettre yo pas gen tellement affection pour yo, malgré yo même yo te montré fidélité avec mettre yo. Et le ça semblait que Jean Bagalaté ya Bagalaté grave, parce que pas de manger et plus passer révolte esclave passer l'autre problème moun te peur, parce que pas ta joine pas gain façon pour moun ta joine manger pour manger. Mais pas oublier en ce temps-là te gain conflit entre l'Angleterre et la France. Haïti était une colonie française, la Jamaïque était en bas domination anglaise. Un homme riche de la ville dit après le prend bateau courir aller à la Jamaïque pour le porter pour joindre secours, parce que vous ne manger pour manger. Mais on connaît capitaine yo qui était là, qui était dans navire le ça, yo pas d'accord, parce que yo pas avlé pour la France, en colonie française, citoyen n'est-ce pas qui en bas l'autorité de la France vinn relation ou vinn contact avec anglais yo, parce que pour eux-mêmes son bagage qui pas bon pour la France. Donc c'est pour montrer dans qui état situation yé moun ap mouri pa gen manger pour manger, mais rivalité ça yo campé. Mais heureusement malgré bateau a été bien secoué dans la mer lorsque n'est-ce pas tremblement de terre a passé, yo pas gen bagage qui grave, moun yo pas gen problème le ça. Et pendant que y a fait travail pour yo faire fou yo retourner pour yo wè si fou yo ka fonctionner encore, eh bien capitaine yo tourné boulanger, y a fait manger pour moun, y a fait pain pour moun yo. Donc c'est comme ça bah la té passé en 1770. Et plus tard yo vinn prend fou yo retourner avec fou yo fait pain encore, mais là a fait pain yo pour yo capitaine yo monter pri farine. Yo obligé faire menace avec yo pour yo descendre pri farine. Et pendant tout mois ça, même ça ouais qu'on y a en 2010, en 1770, tout le monde s'en battante parce que la terre a pas fini de trembler pour le rester, li continuer à trembler. L'a trembler. Alors pas oublier 1770 ça nous dit ça, c'est deuxième fois ville Port-au-Prince crasée. Alors, l'elle crasée comme ça et moun yo a essayé n'est-ce pas joine pour retourner à la vie, mais on compte ça pas causer plus moun mouri, parce que autrefois pas de gain tout moun sa yo dans ville Port-au-Prince et pas de gain toute qualité bagay ça concentration urbaine nous vinn gain en 2010. Et bien ça qui passé très chers amis et très chers auditeurs, vinn gagner grand goût moun pas ka joine manger pour manger. Et ça moun espagnol yo fait, parce que dans la partie espagnole te gen des soldats espagnols qui étaient là, ça yo fait yo vinn gagner un problème côté bête yo ap malade mouri.
les bêtes la malade, l'homme mourit puisque pas gagne manger, moun besoin manger pour manger, ça au fait yo tout ça les viennent autrefois était les ça tasso préparé yo, mais moun yo pas réalisé que ces bêtes malades, bêtes mourit moun y a prend pour porter ba yo. Yo besoin manger en pile moun commencer manger bagay ça. Eh bien l'histoire dit nous que c'est pas deux moun plus moun te mouri avec une épidémie de charbon qui t'est tombé sous pays a. Sur la ville de Port-au-Prince parce que yo t'ap mangé ta sauce a yo. Et à cause de vieux bête malade, les soldats espagnols yo prend bête yo et puis yo voué manger a yo voué vienne ta sauce a yo vienne salé sa yo pour peuple là pour yo ka manger. Eh bien ça t'est fait un pile moun mouri. Et d'ailleurs en moins de 6 semaines près de 15 000 colons blancs ou noirs t'est péri avec maladie ça qui t'est tombé là. Donc c'était un bail terrible, charbon entré dans pays là, moun a mouri à cause de. Alors c'est pour elle un tremblement de terre comme ça, gain d'autres conséquences selon Justin Placide et ça t'est nous t'est à peu près 15 000 colons blancs qui mouri. Et alors, yo obligé vinn prendre mesure pour yo pas quitter moun a manger bagay sa yo. Et l'autre bagay vite fait pour te barrer et quantité et manger ça va cap entrer dans pays a dans ville Port-au-Prince. Donc ça pour dire ça nous dit là c'est une deuxième expérience la ville de Port-au-Prince t'ai fait avec tremblement de terre de 1770 là. Mais n'a comprendre que conséquences étaient graves et que gon bagay que nous devons comprendre jodi a est-ce que n'a pas rester dans une situation comme ça pour un quatrième encore parce que Haïti tombe non point côté la difficile pour relever ou idiot la difficile pour rebâtir villa et l'or rebâtir li qui garantit sou pral gagner le tremblement de terre passe encore pas gagner même qualité de gaz sa yo grand pile bagay yo fait yo konye a sou pendant émotion tout moun wè faut nous bâtir avec précaution faut bâtir selon les normes parasismiques faut bâtir avec mais est-ce qu'il y a des moyens économiques pour yo bâtir selon ces normes parasismiques est-ce que y a des moyens et même discipline dans société a pour les bâtir pour yo respecter ces normes parce que moun yo pral besoin vivre yo besoin retourner à venir reprendre activité yo et wap mande ou très chers auditeurs. Est-ce que le sage pour y rebâtir sur un placement visa qui crasait en troisième fois déjà? Dieu permette que Haïtiens vivent dans le coin de terre ça à côté Oyea. Pour qui ça nous pas choisir l'autre lieu pour bâtir palais national, bâtir grand bureau public yo, faire gros route pour y aller, créer un mouvement, bâtir appartement côté mon en vivini et puis mettez toute bagaille commerciale et au fur et à mesure mon a déplacé quitter zone ça pour aller dans nouvelle ville y a bâti a li pas déplacement pas fait tout d'un coup mais intérêt économique l'autre institution cap créer l'autre activité cap créer a fait moun quitter zone nan, et surtout tremblement de terre cap passé a encourager moun déplacer. Nous comprenons très bien parce que experts ont déclaré un grand tremblement de terre qui va venir encore sur Haïti. Mais ils comprennent que dans les jours qui viennent, nous pas forcément exposés avec yon qui aussi élevé que ça qui s'est passé en janvier dernier. Mais il y a possibilité pour gagner qui dans 5 points, 4 points, 5 points et plus pour y trembler comme ça. Et avec cette inquiétude, en pile vie moun, en pile santé moun pour aller en danger parce que moun a vivre sous pression 1h du matin, 4h du matin, 2h du matin, temps en temps comme ça. Et yo pas qu'on est qui le a prêté, y a pralé a vini et yo pas qu'on est vraiment parce qu'on pas qu'a vraiment prédit tremblement de terre ou qu'a prédit pourcentage de danger, de risque, mon pas qu'a prédit vraiment. Donc on grand matin comme ça, yon point 7 gen doit retourner encore. Ou gen doit fin prendre 5 ans, ville la commencé camper, moun commencé blier tremblement de terre là et puis tout d'un coup, même problème là retourner encore. Donc l'homme prudent voit le mal et se cache. Il faut une solution à ce problème. Non seulement pour nous appliquer des codes, mais faut nous changer place là. Choisons l'autre de sorte que au malheur qui t'est tombé 3 fois sur une ville, pas retourner en quatrième fois sous lui encore. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pelissier,
dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment.